Hier soir, moi, t'es parlé de première expérience, moi, avec un ange de Dieu. C'était la première fois. Le la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Eh bien, c'était dans l'année 2007 pour la première fois. J'ai expérimenté réalité ange bon Dieu qui campait côté petit lit. Maintenant, ce n'est pas seule expérience que j'ai fait avec des anges de Dieu. J'ai un pile l'autre expérience que j'ai fait avec des anges de Dieu. Et puis, j'ai eu chance de raconter l'expérience pendant une semaine. Mais à ce moment seulement commencer eh bien, avec. Je voulais commencer enseignement ça sur les anges. Enseignement ça sur les anges de Dieu. Donc, m'pap ka gen chance bo tout détail yo comme moi dit dans livre là ou jwenn plus détail même vle commencer passer à pied joint sur les anges de Dieu qui est-ce que yo yé et comment que yo fonctionné. Bon bo quatre raisons rapidement qui fait n'ap étudier les anges avant que m'entrer dans catégorie ange avec parce que aswaya demain soir et peut-être même après demain soir m'pral rentrer dans différentes catégories d'anges qui existaient. Tout ange yo pas dans même niveau, tout ange yo pas dans même classe, tout ange yo pas dans même catégorie. Donc à soi on va parler les différents catégories d'anges qui existaient. Mais avant d'entrer dans différents catégories d'anges qui existaient, moi voulais dire pour qui raison m'a étudié les anges avec eux. M'a étudié la question des anges pour quatre raisons. Numéro 1, lorsque nous comprenons le fonctionnement des anges, l'aide nous comprendre numéro 1, comment pour nous vivre en tant que fils de Dieu. Comment pour nous vivre en tant que fils de Dieu, très très important. Maintenant, songe m'te dit un bagage. Lorsque moi t'ai enseigné, m'te dit un bagage qui était extrêmement important. Moi, t'es dit qu'on ça pour un royaume ou besoin quatre bagailles. Combien de monde qui songe? Ou besoin qui ça? Ou besoin qui ça? Yon roi. Deuxièmement, besoin quoi? Ou besoin domaine? Hein? Troisièmement, besoin qui ça? Des sujets. Et quatrièmement, besoin? Ok, ou besoin loi. Premièrement, besoin qu'on roi. Ou besoin qu'un domaine. Ou besoin qu'un sujet. Et ou besoin qu'un loi. Maintenant, m'te dit, numéro 1, premièrement, au besoin qu'on roi, et m'te dit, l'Éternel, il est roi. Dans le psaume 124, après, il finit dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, eh bien, la Bible dit, eh bien, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, et puis là, il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, qui ça dit, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, m'te dit, l'Éternel, pas yon président, li se yon roi. Et m'te étudié différence là avec yon. Si vous besoin plus d'informations, vous avez besoin dans livre volume 1. Vous avez besoin dans volume 1. Ok, l'Éternel, il est roi. Deuxièmement, m'te dit, l'Éternel, non seulement il est roi, li gagne yon domaine. Qui domaine que l'Éternel gagne? La Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux. Sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Dans les cieux, les grands mondes. Sous la terre, les grands mondes. Dans les grands mondes. Dans les abîmes, c'est-à-dire dans l'enfer, les grands mondes. L'Éternel fait tout ça le blé dans le ciel, là, sous la terre, dans la mer et même dans le royaume Satan. Tout fait partie du domaine de l'Éternel. Il est roi. Troisièmement, moi, je te dis comme ça, pour un royaume, il faut avoir des sujets. Ça veut dire les gens qui a cap obéi à volonté même te dou yon ba mais kounyam brale pour me porter yon précision dans ça que me te di yo parce que me te dou comme ça pour capable bon royaume faut gagner des sujets même brale plus loin avant pour me dire que tout roi sur la terre gagne des sujets mais l'Éternel le roi de l'univers lui il ne veut pas de sujet. L'Éternel dans le royaume parle des sujets. Sujet qui est sur c'est moun kap.
ce sont des citoyens qui obéissent volonté. Ils n'ont pas obligé de connecter avec eux. Ils n'ont pas obligé de remettre. Mais l'on parle, ils entendent. Où est-ce qu'il y a des sujets? L'Éternel, lui, dans son royaume, il ne veut pas des sujets. La Rome a des sujets. Babylone a des sujets. La Grèce a des sujets. Mais l'Éternel, lui, il ne veut pas de sujets dans son royaume. Il veut des fils. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sujet comme tel. Dans tous les royaumes de la terre, il y a des sujets. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sujet. C'est ça qu'il ne faut pas. J'entends la Bible parler, les sujets du royaume. Il dit les fils du royaume. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on a même, hein? Il dit les fils du royaume. La Bible n'a pas utilisé l'expression les sujets du royaume. Il dit les fils du royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, l'Éternel parle. Il n'y a pas quelqu'un qui juste a obéi volonté. Parce que le roi, il voulait une relation personnelle avec eux. Il mettait image dans eux. Il voulait papa. Il voulait roi. Mais il voulait roi pas proche de trône. Pour qu'on n'ait pas de ma pas proche de trône, c'est la caille papa. M'embrale. L'homme rentré dans trône, c'est dans le bureau. Au papa m'a pas avancé. Si vous comprenez ça, me dit, a dit gloire. Donc, c'est ça que fait l'Éternel créer les anges. C'est ça que fait l'Éternel créer les anges. Est-ce qu'on rend compte que les anges, c'était les premiers fils de Dieu? C'était ange qui t'a appelé. Ange, tes fils, avant moi, avant tes fils. Regardez qui ça la Bible dit dans Job, chapitre 38, les versets 4 jusqu'à 7. Job, chapitre 38, regardez qui ça le dit. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Ça, c'est dans verset 4 là. Et puis, quand il y a l'oral dans verset 7 là, il dit, alors, il dit que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et puis, regardez qui ça le dit. Il dit, et tous les fils de Dieu poussait des cris de joie. La Bible dit, dans le moment que bon Dieu t'a créé la terre, la Bible dit, les fils de Dieu étaient là, ils t'ont gardé et ils ont éclaté de joie. L'œil où est l'Éternel campé, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Fils que la paléo là, ce n'est pas Adam. Adam pour qu'on crée. Donc, fils la paléo là, c'est des anges. Donc, il y a une bagaille que ange fait. Ange, les anges, c'était les premiers fils de Dieu. Les anges, ils ont fait partie de la famille de Dieu. Ah, quelqu'un qui n'a pas compris ça. Les anges font partie de la famille de Dieu. L'Éternel a deux familles. Les grandes familles sous la terre et puis les grandes familles dans le ciel là. Regardez qui ça la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. À nous toutes les ensemble. Il dit à cause de lui. Je fléchis les genoux devant le Père. Il dit, duquel tire son nom toute famille, qui ça le dit, dans les cieux et sur la terre. L'Éternel a deux familles. Il y a une famille qui est dans le ciel là. Et puis il y a une famille sous la terre. L'Éternel a une petite dans le ciel là. Et puis il y a une petite sous la terre. Avant Adam d'être fils de Dieu. Avant Adam te fait la partie de la famille de Dieu, première famille que bon Dieu te gagne dans le ciel là, c'est les anges que le créé, qui sont les fils. Maintenant, pour qui ça c'est important? C'est parce que les anges te fils avant les hommes te viennent fils. Donc cela veut dire, pendant qu'on a étudié comment les anges comportent, comment ils vivent, ou même tout, ou apprendre comment pour vivre en tant que fils du royaume. Est-ce qu'on avait même? Donc, c'est la première raison qui fait m'a fait étudier les anges avant. Deuxième raison qui fait m'a fait étudier les anges avant, c'est parce que les anges sont les citoyens du royaume de Dieu. Ils étaient citoyens avant moi-même avant. Les anges sont les citoyens du royaume. Donc, regardez qui ça la Bible dit au sujet des anges. Matthieu chapitre 22, verset 30. La Bible dit, car à la résurrection, il dit, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais la Bible dit, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Les anges, ils ont visité la terre. Les anges visitaient la terre. Les anges travaillent sous la terre. Il y a un pile dans eux qui travaillent sous la terre. Mais, là, ils viennent bon ici. Là, ils viennent sous la terre, ils viennent travailler. Ils ont une mission. Mais demeure, c'est dans le ciel.
La Bible dit les anges de Dieu qui sont dans le ciel. Donc demeure yo, kayo, résidence, c'est le ciel. Ce sont les premiers citoyens du ciel. Donc pendant qu'on étudie les anges, n'a pas prendre comment pour nous comporter nous dans le royaume du ciel. Parce que eux-mêmes ont fait partie du royaume du ciel avant nous. Donc nous apprendre comment pour nous comporter nous. Nous songeons dans une leçon que nous avons fait avec nous quelques mois de cela. Nous avons dit comme ça, une leçon pour nous apprendre dans l'ange. Parce que ange, yo, les anges, ils ne peuvent jamais vivre dans la démocratie. C'est moi-même avant qui ai une difficulté pour nous adapter à un royaume. Parce que nous faisons toute vie nous dans la République. Nous faisons toute vie nous dans la démocratie. Donc nous ne savons pas comment pour nous fonctionner dans un royaume. Mais les anges ont fait toute éternité yo, dans le royaume. Donc ils comprennent exactement comment un royaume fonctionnait. Dans le psaume 103, le verset 20, la Bible a parlé des anges. La Bible dit, les anges qui exécutaient ses ordres et qui obéissent à la voix de sa parole. La Bible dit, les anges exécutent ses ordres et ils obéissent à la voix de sa parole. Ça fait ça. Parce que anges comprennent ça, ça veut dire vivre dans un royaume. Le roi vit dans un royaume, les roi parler. Ou pas discuter, ou pas faire tête avec elle, ou pas faire raisonnement avec elle, ou obéir. Donc les anges qui obéissent, c'est seuls les hommes qui discutent avec bon Dieu. C'est seuls les hommes, les bon Dieu dit le font bagaille et puis la traîne et elle. C'est seuls les hommes qui campent devant bon Dieu et puis qui font réplique à bon Dieu. Les bon Dieu parlent, Michael obéit. Le bon Dieu parlait, Gabriel obéit. Le bon Dieu parlait, les chérubins obéit. Parce qu'ils comprennent qu'ils ont fait partie dans un royaume. Dans un royaume, on ne discute pas avec le roi, on obéit le roi. On obéit au roi. Donc très très important. Donc comme je dis, ma pensée sous le royaume. Parce qu'un pile fois, nous ratons bénédiction nous. Parce que nous ne savons pas comment pour nous fonctionner dans le royaume. Ou soit j'aime tout ça, il y a un pile de monde qui sortit en Haïti et puis là ils viennent ici, même gens qui ont fonctionné en Haïti et puis ils viennent fonctionner aux États-Unis comme ça et puis monde demandé pour qui ça n'a pas fait progrès dans le pays. Parce que ça qui est acceptable en Haïti, n'est pas nécessairement acceptable aux États-Unis. Ça qui est acceptable dans le royaume sous la terre, pas nécessairement acceptable dans le royaume Dieu dans le ciel. Est-ce que l'église comprend ce que je dis là? Donc pendant qu'on étudie les anges, n'a pas prendre comment pour nous comporter nous dans le royaume. Troisièmement, raison qui fait n'étudier les anges. N'étudier les anges pour nous capables d'apprendre comment servir bon Dieu. Oh, pendant semaine, on va l'apprendre avec quelle pureté de cœur, et avec quelle humilité que les anges servent bon Dieu. Pendant n'étudier les anges, n'a pas apprendre servir bon Dieu. Regardez Hébreux chapitre 1 verset 14. Le la Bible a parlé des anges. La Bible dit ne sont-ils pas des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Les anges ont comment pour servir. Et pendant ce matin, je vais montrer ça en détail. Et quatrième raison, et dernière raison qui fait étudier les anges. Étudier les anges pour être capable de connaître comment collaborer avec ses anges, ses alliés que mon Dieu va nous dans le royaume. Parce que un saillot, nous c'est serviteur bon Dieu et un saillot tout c'est serviteur bon Dieu. Et conséquemment, puisque nous tous avons servi pour même cause, un saillot, yo vin tourner des alliés pour nous-mêmes. Hier soir, où songe m'te bon référence verset ça, pendant que Jean t'a fait une révélation et puis ange t'a révélé des choses extraordinaires. Et puis Jean bon côté le tenter pour adorer ange là. Et puis, regardez qui ça dit dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 9. Pendant que Jean va l'adorer, il dit comme ça. Mais il me dit, il va le prosterner pour l'adorer devant, adorer Angelan. Et puis, Angelan dit, garde-toi de le faire. Et puis, regardez qui ça dit. Il dit, je suis ton compagnon de service. Et celui de tout, et celui de tes frères, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc, il dit, Jean, pas dans une position qui peut repasser. Moi avec, n'a travaille pour même maître, n'a travaille pour même Seigneur. Donc moi avec, c'est seulement on travaille dans le monde visible, mais moi m'a travaille dans le monde invisible, mais n'a travaille ensemble. Aïe 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 aïe, on va te dire ça là.
Ou même moi opérer dans le monde visible, moi-même à opérer dans le monde invisible. Et puis moi-même, et puis nous-mêmes, nous travaillons ensemble. Donc, puisque les anges qui s'arrivent, ce sont nos compagnons de service. Excepté que nous-mêmes, nous faisons service dans le monde visible, nous-mêmes, nous faisons service dans le monde invisible, mais nous tous les deux à travail pour même cause. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Alléluia. Donc, puisque un saïo c'est compagnon de service que yo yé, compagnon, collaborateur avec eux, faut qu'on ait comment pour collaborer avec ses anges. Comme faut qu'on ait comment pour collaborer avec ses alliés, avec ses compagnons, etc. Alléluia. Donc c'est ça que fait m'a fait étude ça avec eux. Donc, à soi, m'bral commencer étude ça à soi. Trois soirées ça yo m'bral faire yo probablement m'bral pour aborder étude ça nous bral parler de catégorie d'ange. Maintenant avant m'entrer dans catégorie d'ange, puisque m'bral par contre si m'a gagne chance pour m'entrer dans détail ça dans fin semaine là mais c'est définitivement écrit en détail dans livre là, mais qui t'ai mentionné là bas, c'est tellement important, même si m'a pas gagne chance. Si je n'ai pas de chance dans la fin de semaine, pour me dire ça, pour me garantir, nous, les anges sont nos compagnons. Nous travaillons avec eux. Mon besoin est qu'on ait trois bagailles. Il y a trois bagailles. On nous dit qu'il y a quatre bagailles que nous. Il y a quatre erreurs qu'on ne doit pas faire au sujet des anges. Numéro un. On ne doit jamais prier. Yon ange. Ou pas j'en dois prier à un ange. Ou pas j'en dois adresser yon prière à un ange. Moi avec nous pas prier à ange. La Bible dit qu'on s'agonde seul intercesseur entre les hommes et Dieu, non le Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on avait même? Donc, m'a dit ça, pas d'en parler de ange, m'a voulu tomber dans des erreurs. Hein? Nous pas prier à ange. Deuxièmement, nous pas adorer ange. Adoration, nous, c'est pour bon Dieu que lui. Troisième bagage qui est important. Nous pas commander directement ange. Nous pas commander les anges directement. Nous prier, le ciel commander. La Bible dit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet. Mais c'est il qui donne des ordres aux anges. Est-ce que la même, hein? Donc, job nous-mêmes nous fait, nous prier bon Dieu. Nous qu'a mandé bon Dieu pour le voyer Angeli intervenir. Mais nous pas qu'a dit Michael vin goumen pour moi. Michael vin intercéder pour moi. Michael non. Du moment où on commence à prier comme ça, un mauvais esprit a manifesté. Un ange déchu a manifesté. Donc moi avant nous pas prier ange, nous pas adorer ange, nous pas même commander ange. Jésus commandé et même l'aime du Jésus. Même Jésus, l'elle était sur la terre. Lorsqu'on regarde dans Colossiens chapitre 15, chapitre 1 verset 15 et 16, où après c'est Jésus qui créait tout ange. La Bible dit par lui toutes choses ont été créées, les visibles et les invisibles, les dominations, les principautés, les trônes. La Bible dit par lui toutes créées. Cependant, malgré Jésus créait tout ange, l'elle était sur la terre dans le jardin de Gethsémané, et puis Pierre a l'épée et puis pour le couper les oreilles. Lydie Pierre mette fourreau. Est-ce qu'on pas quoi que m'te ka prier papa? Et il t'a voyé 12 lésions d'ange. Lydie m'a pris, malgré ce qui créé ange yo, mais l'air li sur la terre, ça veut dire il était en couillon homme. Puisque le vin en couillon homme, il vin perdu capacité pour le commander directement. L'obligé comporter le même j'avais moi ma bord. L'obligé prier papa. Et puis il dit papa a voyé lésions d'ange. Est-ce que la même? Donc, moi avant, nous pas adorer ange, nous pas prier ange, nous pas commander ange, ni nous pas bâtir relation avec ange. Ou pas qu'a dit ange Michael a mis you. Ou pas qu'a bâtir. Bon Dieu pas voulu. Raison que fait bon Dieu pas.
pas quitter nous prier ange, adorer ange, commander ange, etc. Donc m'pa ka non chambre puis m'a parler avec ange toute la journée. Donc si me commence à venir dire m'a parler avec ange, maintenant seule condition capable parler avec un ange, c'est si bon Dieu voyait un ange descendre et le manifester. Et puis ange en pose une question ou capable de répondre, nous voyons ça dans la Bible. Mon papa commence une conversation pour un ange capable de répondre. Donc dans ce cas, un ange démoniaque a manifesté. Ça fait bon Dieu, pas quitter nous, développer relation. Ça fait bon Dieu, pas quitter nous, prier ange, parler avec ange. C'est parce que relation nous, pas doit développer avec ange, relation nous doit développer avec l'Éternel. Yeah, yeah, yeah. Les anges sont les serviteurs et les messagers de l'Éternel. Donc, on nous dit comme ça, et on nous dit comme ça, et on nous dit comme ça, faites-vous arriver, et puis Marie ou dehors, et puis il vini, lire les 1800 flowers, et puis il commandait un bouquet fleurs pour venir déposer la caille là pour anniversaire. Et pour garder un monsieur vini là avec un gros bab, etc. Et puis il vini le développer, il vini porter fleurs au nom de Marie. Mais est-ce qu'on a vini ou pas monsieur en beau pour dire merci pour fleurs? Mais ou prend fleurs dans mes monsieur, ya, mais amour, c'est pas pour moun qui délivre fleurs. Amour, c'est pour moun qui voye fleurs. Les anges délivrer révélation, yo délivrer la victoire, yo délivrer ça le ciel voye. Mais moun pou d'amour, pour aimer, pour dire Seigneur m'exalter, c'est pas moun ça qui vient délivrer là, c'est ça qui voye là. Sou comprendre ça dit gloire. Bon Dieu seulement voye les anges, yo capable protéger, yo capable bailler révélation, yo capable faire ci, yo capable faire ça. Mais les anges, yo seulement là pour yo. Pour yo manifester l'amour de Dieu dans nos vies, mais nous pas d'amour ange, nous d'amour bon Dieu. Est-ce que la même hein? All right. Donc depuis nous mettez paramètres ça yo là, depuis nous mettez paramètres ça yo là, donc cela veut dire qu'on y a nous capable comprendre comment pour fonctionner avec ces êtres célestes. Donc assoyez pour commencer étude là avec vous. Premièrement, moi te dis, tout ange pas dans même niveau. Tout ange pas gain même force. Tout ange pas gain même autorité. Tout ange pas gain même valeur de connaissance. Les anges yo varié. Donc assoyez moi pour commencer par l'eau de différentes classes d'anges. Gayen à peu près 9 classes d'anges que nous recensons dans la Bible. 9 classes d'anges, à peu près, que nous recensons dans la Bible. Donc, ma bon, non, yo, et puis, à partir d'assoya, demain soir, et après demain soir, ma peut entrer dans plus de détails dans chaque classe, ça, yo. Alors, ma font survol sur yo, ma peut entrer dans tout détail, yo, mais ma bon, yo, idée de yo, etc. Alright. 9 classes d'anges où joignent dans la Bible. Premièrement, il y a les séraphins. Il y a les séraphins. Deuxièmement, il y a les chérubins. Troisièmement, il y a les trônes. Quatrièmement, il y a les dominations. Cinquièmement, il y a les puissances. Sixièmement, il y a les autorités. Septièmement, il y a les principautés. Huitièmement, il y a les archanges. Et neuvièmement, il y a les anges comme tels. Et comme on dit, tout ça est écrit dans le livre là, on va joindre tout le détail. Donc, on dit, un, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les trônes, il y a les dominations, il y a les puissances, il y a les autorités, et puis il y a les principautés, les archanges, les anges. Donc, 9 classes d'anges, ça y est, la Bible parlait de 3 ciels. De 3 ciels. L'apôtre Paul dit comme ça, je connais un homme il y a 14 ans qui fut ravi en esprit et il est arrivé au troisième ciel. Donc si la Bible parlait de troisième ciel, ça veut dire que troisième ciel, ça veut dire qu'on deuxième ciel et qu'on premier ciel. Le troisième ciel, quand il était l'Iwea, c'est la présence de Dieu. Le troisième ciel, c'est là la présence de Dieu. 9 anges, ça y est, chaque catégorie fonctionnait non niveau de ciel différent. Donc, les chérubins, les séraphins et les trônes, ils fonctionnaient au troisième ciel, dans la présence de Dieu.
ils fonctionnaient au troisième ciel. Les dominations, les puissances et les autorités, ils fonctionnaient au deuxième ciel. Donc, je m'explique où ça y est. Et troisièmement, les principautés, les anges, les principautés, les archanges et les anges, ils ont fonctionné dans le niveau premier ciel là. Quelquefois, ils ont le premier ciel ça, l'air. La Bible dit, nous étions tous morts par nos péchés et par nos offenses et nous marchions selon le prince de la puissance de l'air. Donc, premier ciel là, ils ont connu l'air. Donc ça c'est premier niveau. Il y aurait les Satan, le prince de l'air, etc. Donc chaque fonctionnait dans un niveau. À soi, on va rentrer dans première classe dans ça ou bien c'est ça. On dit 9 classes d'anges qui divisées en 3 grandes catégories. Donc on va rentrer dans première catégorie avec. On va rentrer dans anges qui fonctionnait dans troisième ciel dans la présence de Dieu. Donc, tout ça, c'est ange. Donc, est-ce qu'on remarque que Mabdou Konsa, nanon ou angio, qui est les séraphins, les chérubins, les trônes. Donc, on va l'expliquer aux trônes qui s'allient. Les trônes, les dominations, les puissances. Donc, en pile fois, nous chantons chant ça. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. N'est-ce pas? Éternel, nous t'exaltons. Et puis, quand on continue dans le chant, nous dit les saints et les bienheureux. Et puis nous dit, les trônes, les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences. Les trônes, c'est une catégorie d'anges. Les dominations sont catégories d'anges. Les autorités sont catégories d'anges. Les principautés sont catégories d'anges. Et chaque ange, il y a une responsabilité que je vais expliquer pendant ce semaine. Donc, je vais rentrer dans trois premières catégories. Avec. Premièrement, les séraphins, les chérubins et les trônes. On nous couvre ça. Premièrement, on nous commence avec les séraphins. Qui sont les séraphins? Les séraphins, qui est-ce que yo y est également? Qui est-ce que yo y est? Premier côté, nous jouons séraphin, c'est dans Éphésiens, c'est ça? C'est dans Éphésiens, c'est dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'à 4. Côté là, dit l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Can you put that verse up there? Ephésiens, Ésaïe, Ésaïe 6, ok? L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, ok? Et les pans de sa robe remplissaient le temple, ok? Et puis la Bible dit comme ça, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se servait, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Et puis l'autre partie verset a dit, et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Première catégorie d'anges, les séraphins. Maintenant ça, qui est séraphin yoyé et qui ça yo fait? Le mot séraphin, l'ivini, du mot saraf, saraf en hébreu. Saraf en hébreu signifie brûler. Saraf en hébreu signifie brûler. En d'autres termes, séraphin signifie littéralement ceux qui brûlent. Séraphin signifie ceux qui brûlent. Bon, je dis, mais la boule, nan, moué. Comme le monde qui s'en sur ça. Comme content, je dis, alléluia. Parce que Jésus n'a moins. Ceux qui brûlent, ça fait séraphin yo a brûlé comme ça. À qui ça qui en dedans yo a brûlé? Yo relé ceux qui brûlent. Cela veut dire yo gon feu extraordinaire. Yo gon lumière extraordinaire que yo émettre. Ça qui a fait yo brûler comme ça. Regardez Cantique chapitre 9, chapitre 8 le verset 6. Cantique chapitre 8, le verset 6. Regardez qui ça le dit. Il dit, l'amour est fort comme la mort. Et il dit, ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Et puis il dit, une flamme de l'Éternel. L'amour est fort comme la mort. Ses ardeurs
sont comme des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les séraphins qui devant le trône de Dieu, yo ceux qui brûlent, ils brûlent d'amour pour Dieu, ils brûlent de passion pour Dieu, ils brûlent d'affection pour Dieu. C'est catégorie dans ça qui plus près de la face de Dieu. Et séraphins, c'est eux-mêmes qui plus près du trône. C'est ça que fait, c'est seule catégorie d'anges que la Bible dit qui est obligé couvrir visage. Donc les séraphins, dans la présence de Dieu, ils sont tellement près de la gloire de Dieu. La Bible dit obligé qu'il y a 6 ailes. Bon, mais tu dis qu'il y a 6 ailes. La Bible dit 2 dont ils se couvraient la face. Les séraphins, ils sont tellement près de la gloire de Dieu que yo pas qu'à oser rester le visage nu devant Dieu. En pile fois moi-même avec n'a pensé de la sainteté de Dieu. Nous dit comme ça que nous toujours connaît que les hommes pas qu'à garder bon Dieu et vivre. La Bible dit dans Timothée lorsque Paul a parlé, la Bible dit Dieu habite une lumière inaccessible. Il dit qu'aucun homme n'a jamais vu et qu'aucun homme ne peut voir. Bon Dieu tellement saint, il habite dans une lumière inaccessible que les hommes pas kawé. Même bras les plus loin avant, c'est pas seulement les hommes qui pas kawé lumière ça. Lumière bon Dieu, elle est tellement glorieux que même les anges qui pi près trône obligé couvrir visage devant la majesté de la gloire de Dieu. Même les séraphins, pas qu'à abgarder, qui plus près du trône, ils ont pas qu'à abgarder la gloire de Dieu. Visage là comme ça. Donc ils sont obligés de couvrir leur visage. Deuxièmement, la Bible dit qu'il y a deux ailes, deux dont ils se couvraient la face. Après ça, il dit comme ça, il y a gagné deux autres ailes encore, deux dont ils se couvraient les pieds. Les pieds, c'est une expression hébraïque. Couvrir les pieds, c'est une expression hébraïque qui signifie couvrir sa nudité. Couvrir sa nudité. Ça veut dire, là, yo vin dans la présence de mon Dieu, non seulement yo couvri face yo, mais la Bible dit comme ça, séraphin yo couvri nudité yo. Yo couvri nudité yo dans la présence de Dieu. Par respect pour la divinité, par respect pour la présence de Dieu, yo couvri nudité dans la présence de Dieu. Est-ce que nous songez que même dans l'Ancien Testament, l'œil sacrificateur t'a approché devant le trône de Dieu. La Bible dit l'œil t'a monté pour y offrir sacrifice dans le temple, hein? L'œil bral rentré dans le lieu saint. La Bible dit comme ça que yo t'es obligé mettre un rade pas en bas. Afin que lorsque le sacrificateur a entré dans la présence de Dieu, la Bible dit pour nudité, pas manifester dans la présence de Dieu. Quelle est la grande leçon, oui, pour nous apprendre là parmi les. Quelle est la grande leçon pour l'église apprendre aujourd'hui, hein? Non, mais séraphin, yo. Parce que quand il y a l'air, on a vu l'église, tête mon nom de yo, tout ventre l'idée de yo. Quel est le monde qui a fait l'église? Yo tellement vu tout tourner, seul bagage qui couvre, c'est tripio. En d'autres termes, sac privé, c'est tripio. Après ça, tout bagage net. Lorsque vous entrez dans la présence de mon Dieu, vous avez révérence. Oui, je connais l'évangile, c'est pas tellement à la mode. Mais dans la présence de Dieu, vous avez entré. Vous avez habillé. Gonjon approche trône de Dieu. Gonjon approche présence, mon Dieu. Même ange qui est dans le ciel là, même la séraphin qui est dans le ciel là, ils ont conformé dans la présence du roi. Deux dont ils se couvraient la face et deux dont ils se couvraient les pieds. Et puis la Bible dit, et puis deux dont ils se servaient pour voler. Ça fait qu'ils ont zèle pour voler. Depuis l'Éternel parlait, ils sont partis. Depuis l'Éternel manquait, ouvert bouche lui seulement. Et puis, il est parti pour exécuter. Donc, les séraphins qui sont dans la présence de Dieu. Maintenant, ça, séraphin, ça, il fait.
Il y a plusieurs bagages que vous faites. Mais il y a une bagage qui est plus important que les séraphins faits dans le ciel. Donc, il dit comme ça, il dit, j'ai vu des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes, 2 tortues qui servaient pour voler, pour couvrir la face. Et puis la Bible dit, et il criait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Qui ça, séraphin, il fait nuit et jour? Les séraphins, nuit et jour, devant le trône de Dieu, il a brûlé d'amour pour Dieu, brûlé de passion pour Dieu, brûlé d'affection pour Dieu, et puis il a adoré l'Éternel 24 sur 24. Il a dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armes. La chorale des séraphins, ils ont adoré, bon Dieu. Et, où sont j'aime des doux, yon bagay? Moi, te dis comme ça, yon roi, li pas, on va pas entrer dans une cérémonie officielle sans musique. Yeah. L'on va pas entrer dans la musique. Hein? There is an anthem qui besoin jouer. Dans la musique solennelle qui besoin jouer. Qui annonce l'entrée du roi. Donc, c'est ça qui fait. C'est Raphaël Sayo qui adorait mon Dieu dans le trône. Lorsque ou non espace. Bring the keys up a little bit. Lorsque wap, ou non espace qui fait bon Dieu plaisir et puis bon Dieu aimé, bon Dieu décidé d'accorder descendre. You na premier bagarre, le bon Dieu descendre en côté, you na premier groupe qui descend pour préparer le trône de Dieu, pour accueillir le trône de Dieu, pour accueillir la présence de Dieu, ce sont les séraphins. Lorsqu'on lit dans l'évangile de Luc, la Bible racontait le Jésus descend sur la terre. Lorsque la deuxième personne de la Trinité, à la personne de Jésus, finit. Et puis la Bible dit comme ça, que conseil de berger, pendant yota pètre, troupeau yo, et puis yota baille au manger. Et puis la Bible dit, soudainement, gagne un ange qui paraît. Et puis il dit, moi vine annoncer nous une bonne nouvelle. Parce que jodi à Bethléem, un sauveur vous est né. Alléluia, alléluia. Un Messie vous est né. Et un sauveur vous est donné. Et puis il commence à expliquer qui est-ce que le bralier. C'est lui-même qui aurait admirable. C'est lui-même qui aurait les dieux puissants. C'est lui-même qui aurait prophétisé. Et puis la Bible dit, pendant ange a parlé, soudainement la Bible dit, les bergers paraissent, il y a un groupe soprano qui descend, il y a un groupe alto qui descend, il y a un groupe basse qui descend. Est-ce qu'on entend ça, m'a dit là? Il y a un groupe ténor qui descend, et puis il a dit, même moment, et puis un chorale qui descend, et puis qui commence à chanter, et puis qui remplit l'atmosphère là, parce que roi descend, avant roi descend, c'est pour musique la descend, c'est pour adoration la descend. C'est pour louange la descendre. C'est pour intimité à descendre. Donc chorale la descendre. Aïe, aïe, aïe. Mais tu chorale la descendre. Mais tu chorale la descendre. Oh, alléluia. Mais tu chorale la descendre. Moi déclare dans la nuit, pas nous abdormir. Ou pas tant de bâtards encore. Ou pas tant de diables encore. Ou pas tant de cochons encore. Ou pas tant de cabrites encore. Mais pendant nous abdormir. Pendant caillou tourne yon trône. Pendant caillou tourne yon royaume. Pendant caillou tourne dans l'espace du roi. Pendant à demi, c'est pour t'aider la chorale. Hey, hey. Et tout côté bon Dieu descend, chorale la descend. Mais tout côté bon Dieu descend, chorale la descend. Tout côté roi descend, chorale la descend. Tout côté Messie a descendu, chorale a descendu. Tout espace qu'on doit rencontrer, mon Dieu, moi tout chorale a descendu. Levez-moi à la dit gloire. Nous sommes, j'aime te raconter une histoire, ça déjà. Quelques années de cela. Oh my goodness. Quelques années de cela. Et puis pendant ma fête dévotion, le matin. Et puis me tombait son verset qui parlait d'Abraham. Et puis m'a lire de le livre de la Genèse. Et puis moi, les Abraham rivaient au côté. Les Abraham rivaient au côté. Premier bagaille que Abraham cherchait.
lis ça dans la Bible. Depuis Abraham rive en côté, la Bible dit, l'elfine rive en côté, hein? La Bible dit, et il bâtit un hôtel à l'Éternel. Avant le bâti Kaili, avant le bâti propre maison personnelle, avant le bâti temple, il rive à Canaan et il bâtit une maison à l'Éternel. Un hôtel à l'Éternel. Il rive à Hébron, il bâtit un hôtel à l'Éternel. Il rive à Bethel et il bâtit un hôtel à l'Éternel. Depuis Abraham rive en côté, premier bagaille, il fait, c'est qui espace libéral consacré au roi des rois. Et puis, je m'appelle verset ça. Et soudainement, verset a frappé. Parce que je songe la caille là, nous avons plusieurs chambres dans la caille. Nous avons plusieurs chambres dans la caille là. Mais nous n'avons pas de chambre de prière la caille là. Nous avons plusieurs chambres, nous avons salon, nous avons cuisine, nous avons salle, ou comment, de divertissement, etc. Mais nous n'avons pas de chambre de prière, nous n'avons pas de espace de prière. Et puis, bagaille a frappé. Et puis, je viens me partager avec Pat. Je partage ça. Je dis, vous connaissez, fun fait, bon chambre, fun mettre un espace de prière à l'Éternel dans la caille. Et puis, nous parler de ça. Et puis, pour raison pour l'autre, nous parler, mais ne pas exécuter immédiatement. Et je songe, c'était à peu près 7 ans de cela, lorsque tu as fait premier 40 jours nous dans BUC avec Pasteur Benny Hinn et puis Mike Murdoch t'es venu, etc. Et puis Mike Murdoch a prêché et puis il dit songe t'as la caillon millionnaire et puis millionnaire l'a montré le bel château que le gagne, belle caille que le gagne, gros chambre, gros salle à manger, gros salle de divertissement, ligue salle pour tout bagage. Et puis il dit après millionnaire l'a fini de montrer le bel château que le gagne. Et puis il dit, posez millionnaire là en question. Il dit, dans toute chambre où vous montrez mieux là, qui est-ce qui chambre l'Éternel? Et puis il dit, millionnaire là, pas de réponse. Et puis il dit, quel gaspillage. Monsieur, il y a espace dans la caille pour tout le monde. Il y a espace dans la caille pour tout le bagage. Mais il n'y a pas d'espace pour l'Éternel. Même quand monsieur dit ça, c'est quand vous sentez un bon bagage qui frappe, c'est quand vous. Ou m'pa konnen non c'est quand on coupe couteau me senti tellement me senti coupable parce que me senti bon Dieu était pas là même sous ça déjà même moment me senti baga la frapper il frappe me fort immédiatement conférence la fin me dit pas ou connaît projet ça nous pape et traîner pied nous sous lit encore nous bra chercher nous bra faire closette nous gagne nous bra faire le pipiti nous bra diviser cause closette là en deux. Et puis, nous bral fait yon chambre de prière. Et puis, même moment nous finivre, nous relè yon boss, etc. Nous dit, prends closet ça, fait le pipi, etc., etc. Et puis, fait chambre de prière là. Monsieur Vini, etc., etc. Lui fait chambre de prière là, exactement. Maintenant, après nous fait chambre de prière là, nous croyons que nous avons pour mal prêché différents côtés. Donc, monsieur finit chambre de prière là. Le sambat là, nous t'es en voyage, nous allons prêcher. Donc ça vient faire plusieurs semaines et peut-être que même à courir sous 2 mois, il y a un bagage comme ça. Nous pas jamais eu chance pour me réellement rentrer dans la chambre dédiée comme telle. Et puis, il y a un jour devant chambre, nous t'es mettez yon petit table pour me galiber moins. Et puis un jour, je suis devant table là, etc. Pour me libérer moins, non, temps de prière de jeûne, me chita m'a libéré moins. Et soudainement, me songer que me porte quoi, jamais dédié chambre de prière là. Donc me dit comme ça, où qu'on est, jeudi, on va le prendre temps pendant mon jeûne de la prière, on va le prendre temps pour me dédier, eh bien chambre de prière ça, espace de prière là à l'Éternel. Et puis, comment dire, c'est pas une chambre liée, c'est juste un espace. Donc, vous comprenez, même peut-être un petit peu plus grand que chez A, c'est juste un petit espace, etc. Même dit ça, c'est rencontre-nous, espace de rencontre-nous avec l'Éternel. Et puis, je dis, je vais le détil. Et puis, malin chamoué, et puis, je prends l'huile d'onction, anointing oil. Donc, je prends l'huile sainte, et puis, je prends. M'entrer dans la chambre pour la première fois, m'vini, m'ouel, m'prier, m'dis Seigneur, ça c'est espace.
que nous dédiait avant dans Kaila. Ça c'est lieu de rencontre côté pour nous rencontrer avec côté pour gloire manifester dans nos vies. M'prier moins chamna etc etc. Moins pamna moins pat parce que nous t'es fait à peu près. Nous fait trois et trois petites chambres, tout petit trois petites chambres, mais deux là-dedans, yon capable de mettre ton chaise là-dedans, yon l'autre capable de mettre un sac ou calagon sac là-dedans, etc. M'vini m'dédier tout espace yo à l'Éternel, m'dis Seigneur, ça c'est espace. Après m'fin briller, et puis qu'on y a m'retourne sous chaise là, et puis m'commence à bli bimouen. M'a bli bimouen. À peu près 15 minutes. Plus tard, peut-être 15 minutes plus tard, parce que je suis en très fond dans la Bible que je lis. Pendant ma Bible comme ça, j'entendais une musique. J'entendais une musique pas derrière moi. C'est pas dans le dormi, c'est pas dans le rêve, dans le j'éclair. Pendant ma Bible, j'entendais une musique. Mais, li, ou qu'on a une expérience ou vivre, pendant ma Bible, je n'ai pas un mot pour m'expliquer. J'entendais une musique. Si quelqu'un qui habitue système Bose, système surrounding system Bose, c'est une meilleure. Lorsqu'on attend des systèmes ça, c'est quand coup surrounding les remplit. C'est quand coup t'es capable 100 systèmes, y a une centaine de systèmes Bose où mettez ensemble qui remplit tout en dedans avec une pureté, yon bagage pas jamais entendu l'existence. Dans nos chants. Dans nos adorations, dans nos chorales, dans nos... Maman dit, mais qui ça? Ça lié? Est-ce que son nouvelle technologie? Qui ça lié? Même qu'on elle pas une nouvelle technologie parce que l'impossible, ça m'attendait pour son bagage terrestre. Et puis, m'entendait musique, là, m'entendait louange, m'entendait adoration. Cap chanter. Bagage là, tel... M'rete m'entendait pour quelques minutes. Et puis, m'saisit. Et puis, qu'on y a... Je dis, puis quand moi qui a inventé des choses, bon malé pour moi, est-ce que mon nouvelle technologie ou inventée que je ne vais jamais entendre? Je ne vais pas courir de yon pour mal regarder. Est-ce que mon monde qui met ton radio, est-ce que met ton beau système, est-ce que met ton son, est-ce que mon autre musique qui a joué dans Kala? Et me songe ce jour-là, c'était moi-même qui était dans Kala, seulement avec madame pasteur I, ce Juni qui était dans Kala. A pas de gen l'autre monde qui était dans là et puis me vini malé me dit mais sœur Junie est-ce qu'on tendait musique est-ce que comme on cap jouer musique là il dit me pas gen musique dans là il dit me cala silence pas gen musique cap jouer soudainement me rend moins compte c'était espace là que me dédié à l'Éternel aïe. Soudainement, je me rends compte que cet espace-là, puisque me dédie espace-là, pour la gloire de Dieu habiter, pour le trône de Dieu habiter, pour l'Éternel habiter, puisque le trône n'a pas descendu, pour le trône n'a descendu, faut qu'on la descende d'abord pour introduire le roi des rois, pour introduire le Seigneur des Seigneurs, pour introduire le Dieu des dieux. Moi, je joue en de caillou, ou pas tant de pieds bourriques encore, ou pas tant de pieds cochons encore, ou pas tant de pieds chouales encore, l'eau a dormi dans j'éclair, c'est pour tant de la gloire de Dieu. Lève-moi la dit gloire. Chorale ça depuis roi descend. Chorale ça descend. Me songe me vivions l'autre expérience dans tabernacle de gloire. Le ça l'église a été à peine fondée. Et puis le soir l'un des services peut-être n'était qu'a dit nous t'ai gagné moins que une trentaine de monde qui viennent dans service. Et l'un fait commencer l'église là, modèle moins, c'était Brooklyn Tabernacle. Nous songeons qu'on a un service le soir, Brooklyn Tabernacle. Et puis c'était toujours un plaisir pour moi, le mal en service le soir à 7h du soir. Et puis là, on va rentrer l'église là, bondée de gens, bondée, service à 7h du soir, depuis 5h pour aller prendre ligne. Parce que l'église là remplie et puis la présence de Dieu puissant l'église là
Et m'songe l'homme qu'on a regardé pour qui t'a appelé à quoi. M'dit joub l'Éternel ta bambe, yon l'église dirigeant l'église. M'ta même gens pour qui t'a appelé. Service dimanche soir, même gens service dimanche soir qu'on fait dans Brooklyn t'a appelé à quoi. C'est comme ça m'ta remé ouais pour le fête l'église là. Pour moi des milliers de gens, pour moi la présence de Dieu remplie etc. C'était désir moi c'est ça m'dévelé. C'est ça m'dévelé pour mon Dieu fait. Mais l'on commence l'église là avec le temps mon Dieu fait. Mais l'aime commencer l'église, elle va commencer comme ça. Donc l'aime commencer l'église, donc le soir, bagaille, donc ou kage worship team, non, mais ou gen moins peut-être ou kagon, pas qu'on ait 10 moun, 12 moun, etc., etc. Pour ne moi-même sorti dans Brooklyn Tabernacle, qui kon gen 2000 moun, 3000 moun, et puis l'aime commencer l'église, là, me pense même bagaille m'te wè dans Brooklyn Tabernacle, là, même bagaille la bral fête dans 3 mois. Donc chaque soir, m'attend pour m'dawè des milliers de personnes. 10 moun a vini, 12 moun a vini, etc. Et puis chaque dimanche soir, c'est quand on aime bien prêcher, c'est quand on a un découragement pour prendre. Parce que ça m'a espéré, ce n'est pas ça. Et puis un jour, le sa bureau m'a bureau la tête l'église a été bon ici, et puis bureau m'a sous côté. Et puis nous avons un service dimanche soir. Je suis découragé, mais m'a préparé message. Et puis pendant m'a préparé message comme ça, adoration a commencé. Mais l'adoration commençait et puis moun commence à chanter, yo commence à chanter et puis soudainement m'entend un foule wa dit 5 à 10 000 moun qui en dedans. Premièrement nan mal moi me connais pas espace pour valer moun ça. Mais à curiosité, je voulais ouais quand même m'a même s'il n'y a pas 10 000 moun, peut-être c'est moi qui imagine 10 000 moun, même s'il pas 10 000 moun, mais fort en dedans rempli à déborder. Bagala a tellement attiré attention, je t'ai préparé mes sachets, je blague plus nan, et puis bam pété. Il est tellement frappé, tellement tant de moun qui a chanté. Bam ouvert pour ta, passe pour mes portes là, passe de mes deuxième portes là. Pour moi, centaines ou bien milliers de personnes qui là. Et puis l'homme regarde moi c'est worship team nan qui sous chair. Après ça te kage, ma konnen 3 à 4 moun nan congrégation. Et puis soudainement me rend moi compte. C'est pas voix moun moi t'attendé. C'est la chorale des séraphins. À la minute que nous commençons à adorer mon Dieu. Aïe. Et qui descend, qui vient adorer bon Dieu. Donc c'est ça que fait. L'Éternel bon fond bagaille pour lui. Même si vous gardez espéré pour 10 000 moun vini, pour 500 vini, pour 200 vini, et pour parler, même si c'est vous-même, lui dit côté 2 ou 3 sont réunis en mon nom, même si c'est vous-même avec petit groupe HPA, et pour commencer à chanter, que nous avons 4 claques là, mais il y a 4 000 anges, il y a 40 000 anges, il y a 4 millions anges qui n'ont espace. Nous sommes un prédicateur pour aller prêcher. Et puis il dit, monsieur, pourquoi je fais toute préparation, ça ne va pas remplir le monde. Monsieur dit, qui ça? Il dit, on va le remplir. Il dit, on va le remplir avec qui ça? Monsieur dit, on va le remplir avec des anges de Dieu. Même si c'est 4 personnes qui gagnent. Mais les anges de Dieu là. On dit, la caillou, c'est pour la chorale des séraphins visités. On dit, c'est pour trois dans des sangs. On dit, c'est pour trois dans des sangs. On dit, c'est pour trois dans des sangs. C'est pour trois dans des sangs. Regardez, une minute ça. C'est pas parler, m'a parlé. Non, m'a parlé pour vent. M'a parlé pour vent. M'a parlé pour vent, non? M'a parlé pour vent. M'a parlé pour marcher dans sang. M'a prophétisé sous la vie. M'a prophétisé. On dit, on d'accaillou. On dit, on d'accaillou. On dit, on d'accaillou. On dit, on d'accaillou. L'aura dormi dans la nuit, en nom de Jésus. On dit, l'aura prié. On dit, l'aura fonctionné. C'est pour le roi descendre. C'est pour le trône descendre. C'est pour l'agneau descendre. C'est pour le Saint des Saints descendre. C'est pour la chorale des séraphins descendre. C'est pour tant de sons que j'entends. C'est pour tant de sons. C'est pour tant de sons. C'est pour tant de sons que j'entends. C'est pour tant de sons que j'entends. Moi déclarer dans la nuit pas de wap dormi. Wap levé, wap joué nous chanter des chants qu'on pas jamais apprendre. Ratakatabaya. Rakashatakaye tabaya. Rabakatabaya ta. M'di wap dormi dans la nuit et puis wap levé. Wap joué nous wap chanter des chants. 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 Père, on pas jamais apprendre. Levez-moi à l'aide de gloire. Oh. Oh. La chorale des séraphins. Deuxième catégorie d'anges. Bamba ou rapidement, bamba avance plus rapidement. Deuxième catégorie d'anges, nous joignons dans la Bible. Et ça, lui-même, il y a plus d'une centaine de références que nous joignons dans la Bible.
que les chérubins. Après les séraphins, que les chérubins. Où songez chérubins? Yo, regardez dans Genèse chapitre 3, verset 24. C'était chérubins, ça yo. Qui te mettait Adam. Genèse chapitre 3, verset 24. Le Adam t'est péché. Le Adam t'est péché. Alléluia. Regardez, en nous lit ensemble. Il dit comme ça. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il lui mit à l'orient du jardin. Et puis regardez qui ça, la Bible dit, les chérubins. OK? Qui agite une épée flamboyante, etc. pour garder le chemin. Ça y est, deuxième catégorie d'anges. Juste après les séraphins, classe d'anges qui plus près du trône, ce sont les séraphins. Ce sont les séraphins. Les adorateurs. Ah, ça a dit un bagage. Donc on va prendre compte, classe qui plus près du trône, ce sont les adorateurs qui brûlent de passion pour Dieu. Ça, son leçon. S'ouvre les prêts, bon Dieu, bien qui ça vous fait. S'ouvre les prêts, bon Dieu, bien qui ça vous fait. S'ouvre les prêts, bon Dieu, au besoin brûlé de place. S'ouvre les prêts, bon Dieu, brûlé d'amour pour lui. S'ouvre les prêts, bon Dieu, brûlé de flamme. Et puis, exprimez l'amour dans l'adoration. Exprimez l'amour dans le chant qu'on va chanter. Exprimez l'amour dans la parole qu'on va dire. Sous qu'on arrive dans la dimension, ça. On va arriver dans la dimension qui est plus près du trône. Parce que c'est là les séraphins. Après les séraphins, qu'on y a les chérubins. Les chérubins, qui ça y est? Les séraphins, ils font partie de yon. Les séraphins font partie de la chorale, constituent la chorale. Les chérubins font partie de la garde présidentielle ou bien de la garde royale de l'Éternel. Nous connaissons, par exemple, le président des États-Unis, li genye, ça y est, Secret Service. Tout chef d'État, li genye un corps de soldats qui est attaché à lui-même, qui protège l'espace. Si Monsieur Biden David Lacunia dans réunion, tout espace ça, ou avec une secret service dans tout espace là, t'a protégé espace côté président. Si Reine Elizabeth David là, ou t'as bien tout espace ça t'a protégé avec ses relais, les gardes royales, soldats t'a protégé tout espace. Puisque l'Éternel lui-même dit, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'œil descend yon côté, non seulement il y a des chérubins qui ont chanté gloire, mais non seulement il y a des séraphins qui ont chanté gloire, mais il y a des chérubins qui descendent pour protéger tout espace. Là. Les chérubins sont les gardiens de la gloire. Les chérubins sont les gardiens de la gloire. C'est eux-mêmes qui protègent espace. Côté bon Dieu manifesté pour assurer yo que n'importe bagaille pas entrer dans espace ça. Donc c'est ça que fait le Adam péché, même moment Adam pas digne pour dans espace là encore. Et puis qui est-ce qui mettait le dehors? Chérubin. Je dis dehors. Parce que job nous c'est protéger espace ça. Nous protéger la gloire de l'Éternel, nous protéger la présence de l'Éternel, nous protéger côté bon Dieu manifesté. C'est nous-mêmes qui assurons qui est-ce qui va entrer, qui est-ce qui va pas entrer. Donc du moment où péché, la Bible dit même moment, chérubin, il prend épée, il dit monsieur Dieu. Vous ne pouvez pas admettre encore dans l'espace. Les chérubins sont les protecteurs de la gloire de l'Éternel. Mounsayo qui fait partie de garde présidentielle, yon roi. Yo protéger espace côté président, yo protéger espace côté chef d'État. Et puis c'est yo même tout qui conduit chef d'État. L'Éternel les l'a déplacé tout. C'est chérubin yo qui conduit chariot. C'est chérubin yo qui déplacé avec trône. Regardez qui ça dit dans Psaume 18, hein? Psaume 18 verset 9 à 10. Lorsque l'a parlé, il dit il abaissa les cieux et il descend. Et puis la Bible dit il y avait une épaisse nuée à ses pieds. Next. Et puis regardez qui ça dit, il est monté qui ça sur un. L'Éternel a déplacé, l'Éternel a déplacé et bien monde qui conduit là. Moun ki conduit, ça veut dire trône nan a déplacé et puis en bas trône nan ou gen les chérubins t'a mené trône nan quel que soit côté l'Éternel décidé pour l'aller. Et puis les chérubins, la Bible dit qu'on ça li déplacé sur les chérubins. Regardez Ézéchiel chapitre 10 verset 11, hein, même idée à qu'on gagne. Ézéchiel dit je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir
et on y voyait, et on voyait au-dessus d'eux quelque chose semblable à la forme d'un trône. Qui côté trône n'a été? La Bible dit que sur la tête des chérubins. C'est ça que fait la Bible dit, il monte sur les chérubins. L'Éternel a déplacé, chérubins ont entré en bas trône, non? Et puis c'est ont conduit trône. Conduit trône. C'est eux-mêmes qui conduit Cadillac l'Éternel. C'est eux-mêmes qui conduit à machine l'Éternel. C'est eux-mêmes qui transportent la gloire de l'Éternel. Maintenant, chérubin ça yo qui protège espace là et puis qui conduit, nous t'ai dit comme ça, qui conduit la gloire de l'Éternel, qui transporte la gloire de l'Éternel. À qui ça yo semblait? Regardez qui ça la Bible dit, Ézéchiel chapitre 1er, c'est ça, et verset 10. C'est ça, en nous lit ensemble. Regardez qui ça le dit. Mais comment le décrit chérubin yo? Il dit, quant à la figure de leur face, il dit, il avait tous une face d'homme. Une face d'homme. Et puis il dit, tous les quatre, une face de lion à droite. Tous, quatre, tous les quatre, une face de bœuf à gauche. Et quatre, une face d'aigle. Donc il y a quatre faces. Il y a une face d'homme, il y a une face de lion, il y a une face de bœuf, et puis il y a une face d'aigle. Chérubin, chérubin, ça y est qui conduit la gloire de l'Éternel. Il y a quatre faces. Il y a une face aigle, il y a une face bœuf, il y a une face lion, il y a une face homme. Dis-le avec moi encore. Il y a une face aigle, il y a une face bœuf, il y a une face lion, il y a une face homme. Dis-le encore. Il y a une face aigle, il y a une face bœuf, il y a une face lion, il y a une face homme. Pour qui ça y a quatre faces à yo? Face aigle, l'aigle, c'est le plus rapide de tous les animaux. Ça veut dire, l'aigle qui pour yo font bagarre pour l'Éternel, yo fait avec vitesse. L'aigle, c'est le plus rapide. Ça veut dire, l'aigle servi bon Dieu, yo servi bon Dieu avec rapidité. Bœuf, c'est le plus fort. Bœuf, c'est le plus fort des animaux. Souvent, yo dit comme ça, si bœuf te kon force ni, li pa ta kite yon ti moun menel. Bœuf là, c'est lui-même qui pi fort. Ça veut dire, lorsque yon servi l'Éternel, yon servi l'Éternel avec toute force yo. Non seulement yon servi l'Éternel avec vitesse, avec rapidité, mais yon servi l'Éternel avec toute force yo. Troisièmement, yon kon face de lion. Lion, c'est le plus courageux des animaux. Lion pa peur en rien. Ça veut dire, yon servi l'Éternel, yon servi l'Éternel avec courage. Et quatrièmement, homme, c'est l'être le plus intelligent de la création. Ça veut dire, l'air adoré bon Dieu. Ça veut dire, l'air servi bon Dieu. Yo servi bon Dieu avec intelligence. Donc, chérubin, yo, comment yo servi bon Dieu? Yo servi bon Dieu avec rapidité. Yo servi bon Dieu avec force. Yo servi bon Dieu avec courage. Yo servi bon Dieu avec intelligence. M'abdou yo encore, oui, séraphin, chérubin. Les a servi bon Dieu. Je servi bon Dieu avec rapidité. C'est ça que fait yo sembler avec aigle. Je servi bon Dieu avec force. C'est ça que fait yo sembler avec bœuf. Je servi bon Dieu avec courage. C'est ça que fait yo sembler avec lion. Et je servi bon Dieu avec intelligence. C'est ça que fait yo sembler avec l'homme. Kounye am go question pour parce que m'te dit pendant n'a pas étudié les anges n'a pas prendre comment pour nous servir bon Dieu. Kounye moi même vle poso ou même k'ap servi l'Éternel ou même qui dans chorale k'ap servi ou même qui dans orchestre k'ap servi ou même qui dans musique k'ap servi, est-ce que si l'Éternel t'a gado, il t'a pour quatre faces ça yo dans où? Est-ce que quatre faces ça yo? Parce que ange qui dans ciel là, c'est dans dimension ça. Est-ce que quatre faces ça yo dans où? Est-ce que l'on servi l'Éternel ou servi l'Éternel avec vitesse? Pas la veine, est-ce qu'on servi mon Dieu avec vitesse? Les bon Dieu mandent pour faire un bagage pour lui, est-ce qu'on fait avec vitesse? Les bon Dieu disent ça, elle fait mission pour moi, est-ce qu'on fait avec vitesse? Sous la hoche, il y a un bon bagage pour prendre à terre, est-ce qu'on fait avec vitesse? Sous le vin dans le corral, est-ce qu'on fait avec vitesse? L'on lit demande pour faire un bagage, est-ce qu'on fait avec vitesse? Ou bien est-ce qu'on rébelle? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on met explication? Est-ce qu'on traîne? Est-ce qu'on fait mon gaspiller tant yo? Maintenant, si elle là, l'ange l'a servi mon Dieu, il a servi mon Dieu avec vitesse, il a servi mon Dieu avec rapidité, depuis l'Éternel parle et il fait. Sou comprend bien, bon Dieu n'a pas servi à, il n'a pas fait avec moun mol, moun kap traîne pied, la souffre en bagaille, et pour là, tout l'air passé sous, l'Éternel l'a sauté ou l'a le bon moun. Parce que moun qui n'a présence li, les chérubins qui n'a présence li, l'aile palais yo déplacé à la vitesse d'un aigle. Est-ce que vous servez bon Dieu avec vitesse?
Est-ce qu'on servit bon Dieu? Est-ce qu'on servit bon Dieu avec comme? Est-ce qu'on servit bon Dieu avec la force de yon bœuf? Est-ce qu'on servit bon Dieu avec force? Chérubin, yon servit avec force. Ça veut dire, yon présente force yon comme une forme d'adoration à l'Éternel. Est-ce qu'on servit bon Dieu avec force? Est-ce qu'on servit avec bon Dieu? Est-ce qu'on présente force ou comme un sacrifice? En d'autres termes, le nous gon 7 jours comme ça et puis bagalamando pour travail dur. Bagalamando pour travail dur. Est-ce qu'on baille force ou à l'Éternel? Limando pour lever bonheur. Limando ou comme mais pour coucher tard, limando pour camper sous pied, pendant une heure, pendant deux heures, pendant trois heures. Lorsqu'on va servir mon Dieu, et puis ça va faire, limande force, limande énergie, limande pour investir. Est-ce que vous complaignez ou bien est-ce qu'on dit Seigneur, moi offri ou force physique, moi Seigneur, même si je me coûte, moi offri ou yo, nuit coûte yo, moi offri ou yo, nuit trois heures temps yo, moi offri ou yo, m'a pleuvé bonheur dans la présence, moi offri yo, parce que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, aïe, 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 et de toute ta... Yeah. Lorsque vous avez qui mando pour investir force, est-ce qu'on met elle ou bien est-ce qu'on complaine? Est-ce qu'on servit mon Dieu? Est-ce qu'on servit mon Dieu avec courage? Hein? Est-ce qu'on servit mon Dieu avec courage? Est-ce qu'on servit mon Dieu avec courage? Donc, servir mon Dieu, il faut gagner courage. Pour servir mon Dieu, il faut gagner courage. Pour faire ministère, il faut gagner courage. Faut qu'on courage dans lion. Est-ce que lorsqu'on a une décision pour faire l'Éternel, ou qu'on a courage pour prendre? Lorsqu'on est un bagage qui doit, est-ce qu'on a courage? Si on moun vin là, on a un principe qui est établi. Et puis on dit comme ça, eh bien, moun pa gen doit passer porte là. Pa ka passer porte là après 8 heures, porte la ferme. Et puis on a moun qui paraît, ses amis ou liés, ou comprendre, mais son gros bishop, son gros bacha, mais on a une loi qui passe. Est-ce qu'on a courage pour dire non? L'homme a servi mon Dieu. Ou pas qu'à faire décision qui populaire. Ou obligé à faire décision qui fait mon Dieu plaisir. Levez-moi, allez, dis gloire. Est-ce qu'on servit mon Dieu avec intelligence? Chérubin, vous servit mon Dieu avec intelligence. C'est ça que vous semblez avec l'homme. L'homme au ministère, est-ce qu'on applique intelligence? Ça veut dire, l'homme a un problème dans le ministère. Est-ce qu'on utilise intelligence, mon Dieu, pour résoudre le problème? Ou bien ou pour le problème dans baillon l'autre leader pour résoudre li pour parce qu'on même ou pas gain temps pour ça. Ou pas gain temps pour toute penser ça. Ou bien est-ce qu'on utilise intelligence ou? Est-ce qu'on utilise créativité ou pour servir bon Dieu? Chérubin yo, yo servir bon Dieu avec vitesse. Yo servir avec courage. Yo servir avec intelligence. Dernière catégorie, a touché à vous et puis on va terminer avec dernière catégorie. Non, qui fonctionnait au troisième ciel. C'est ce qu'on appelle les trônes. Les trônes. Les trônes. Trône, c'est pas seulement dans la Bible. Trône, c'est pas seulement yon. Trône, c'est pas yon chaise liée. C'est pas seulement yon chaise. Trône, puis plus qu'on chaise. Moi-même avant, là, nous parlons de trône. Trône, c'est une chaise royale. Donc, nous relions le trône. Mais l'organe de la Bible, trône, c'est une catégorie d'anges. Qui relient les trônes. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 15 et 16. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 15 et 16. Elle a parlé de Jésus. On nous lit tout ensemble. On nous toutes les ensemble. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, car en lui, en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et puis regardez qui ça? L'elfine bon invisible, qu'on y a énuméré invisible pour vous. Qui ça qui est invisible là? Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Domination, autorité, dignité, trône, tout ça, c'est catégorie d'anges. Donc, on catégorie d'anges qui relaient les trônes. Donc, comme moi, c'est ça qui fait nous chanter chant ça. Côté, nous dit les saints et les bienheureux. Et puis, nous dit les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences.
Drone, c'est une catégorie d'ange. Donc, bon m'explique quoi catégorie d'ange ça. Yo même qui ça yo fait. Il y a, premièrement, les séraphins qui sont des adorateurs qui font partie de la chorale. Il y a les chérubins qui font partie de la garde royale, de la garde personnelle. Chérubins, c'est garde du corps, l'éternel. Ce sont les protecteurs de la gloire. C'est garde royale, l'éternel. Ça, c'est chérubins. Kounia, il y a les drones qui fonctionnaient au troisième ciel. Maintenant, avant de m'expliquer au concept drone, non? Bon, m'expliquer yon bagay. Moi, dernier, lorsque je t'ai enseigné sur non, que ton règne vienne, et puis je t'ai parlé de la royauté de Dieu. Yon nan bagay, moi te dis, bon Dieu, grand monde. L'éternel est souverain. Moi te dis, l'éternel fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, aussi longtemps qu'il veut. Et il n'a à rendre compte à personne. La Bible dit tout ce qu'il veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ça l'Éternel veut, il fait. Maintenant, parce que la Bible dit tout ça l'Éternel veut, il fait. Dans le ciel là, sous la terre, en bas la mer. Et même dans l'enfer, il fait tout ça, l'élève, les gens, etc. Parce que nous disons comme ça, il y a des gens qui pensaient que, puisque l'Éternel a toute autorité, elle, puisque l'Éternel est capable de faire tout ça, il a toute autorité. Il y a des gens qui pensaient que l'Éternel fait toute décision de manière unilatérale. En d'autres termes, yo pensez que toute décision l'Éternel a fait, l'Éternel en fait décision hein, pour contre lui. Cependant, ce n'est pas le cas. Malgré l'Éternel qu'a fait toute salvée pour contre lui, en tant que Dieu, lui gain droit ça, lui capable faire ça, lui grand monde et l'elle fait ça, il pas besoin rendre compte à personne. L'Éternel gain droit pour faire toute décision sans pas demander personne opinion. Yo. Cependant, en pile décision que bon Dieu a fait, l'y fait en équipe. Ah, ça sort gros bagarre là. Bon, nous revenons à l'autre dimension. Au monde, t'as jamais pensé ça. L'Éternel pas fait toute décision pour compte. L'Éternel, quelle décision le fait de manière unilatérale comme Dieu. Quelle décision bon Dieu a fait, bon Dieu fait en équipe. Moun qui est avec lui. Je vais regarder deux versets et puis je vais raconter une histoire. Premier verset, parce que l'on vient comprendre ça, ou je vais comprendre les trônes. Gardez tout d'abord, on nous lit Daniel, chapitre 7. Les versets 7, chapitre 7, verset 9. On nous tout lit ensemble. Regardez qui ça le dit. On nous lit en fort. Il dit qui ça? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. On nous dit des trônes. Dis ça encore, des trônes. Il dit, je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et puis regardez qui ça le dit. Il dit, et l'ancien des jours, il y a l'autre nom pour Jésus, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, et puis il dit, son trône était comme des flammes de feu et des roues. Et les roues comme un feu ardent. Gardons bagala. La Bible dit comme ça, li dit li oué des trônes. Après ça, li oué un trône. Il y a des trônes et il y a un trône. Il y a un trône, mais autour du trône, il y a des trônes. Est-ce que l'église avait même? Aïe, aïe, aïe. En gardons l'autre verset de la Bible pour ne pas penser son accident. Regardez Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 4. En nous tous lis ensemble. Ça, c'est la vision de Jean. En nous lis ensemble. Jean dit, à l'instant, l'esprit se saisit de moi. Et il y avait, qui ça encore? Qui s'y avait? Il y avait un trône. Il y avait un trône qui comptait dans le ciel. Et puis il dit, et sur ce trône, quelqu'un siégeait.
Au monde qui était chez ta sous-terre, on a regardé l'verset 3 qu'on a dit. Il dit celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Un arc-en-ciel entourait qui ça? Le trône. Et puis il dit brillait comme de l'émeraude. Qu'on a regardé verset 4 là. Il dit autour du trône se trouvait qui ça? 24 trônes. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, siégeaient 24 représentants du peuple de Dieu, etc., etc. Donc, il dit comme ça. Daniel dit, moi, un trône, et autour du trône, moi, des trônes. Daniel dit, nous, des trônes, mais le papa nous nombre trônes. Qui va les trônes qu'il a? Et puis, quand il y a l'apôtre Jean, il fait même vision en tout, il y a un trône, mais autour du trône, il y a 24 trônes. So, moun sa yo, ki chita sous 24 trônes. Comment se fait-il qu'il y a un trône dans le ciel et il y a 24 trônes? L'homme moun chita son trône, ça l'a fait sous trône. Nan. La brenye. Si nous souffrons avec lui sur la terre, aïe, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans le ciel. Bon Dieu qu'a régné pour contre lui, mais bon Dieu pas régné pour contre lui. Ouh. Oh là là. Gros baga m'abdou là. Dans le ciel, bon Dieu qu'a régné pour contre lui, mais lui pas régné pour contre lui. Elle y mettait d'autres trônes autour de son trône. Ça y a fait. 24 trônes, ça y a fait. Il a régné avec l'Éternel des armées. C'est pour ça trônier. Trône, c'est pour mon régner. Donc l'Éternel, dans le ciel, il mettait d'autres trônes. Il partage son pouvoir. Il partage son autorité. Ce n'est pas toute décision l'Éternel a fait dans le ciel là, il fait pour contre lui. Il y a quelques décisions que l'Éternel va faire, il relève les trônes. Il fait appel au trône. Et puis ils font réunion. Et puis pour lui dire comment nous allons faire ça. Ce n'est pas toute bagarre. Et pas toute décision l'Éternel fait de manière unilatérale. Quelle décision le fait, il fait en équipe. Maintenant, pour ne pas penser encore, c'est moi qui ai inventé des choses. Nous allons regarder la Bible. Nous songeons l'histoire de Miché. Moi avant là qu'on y a en allant 1 roi chapitre 22 verset 19. Ça c'était le Akab rivé pour mourir. Le Akab rivé pour mourir. Et puis l'Éternel décidait de manière souveraine et unilatérale que Akab obligé mourir. Cependant, bien que les dit comme ça que Akab bral mourir, mais décision comment Akab bral mouri. Li décide souverainement que Akab doit mourir. Mais comment Akab bral mouri? L'Éternel décide fait décision ça en équipe. Donc Miché, qui était un prophète, ouais, déroulement toute bagarre. En nous tous liés ensemble, regardez qui ça Miché dit ouais. Il dit j'ai vu l'Éternel assis qui ça? Assis qui ça? Ok, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et puis qui ça dit, toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa. Donc là, il dit comme ça, l'armée des cieux, ça veut dire les anges dans le ciel. Il dit, toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et puis regardez qui ça la Bible dit. En lisant le verset bien. Et puis qui ça le dit? Et l'Éternel dit. Donc ça veut dire, Samuel Schwab suivre là. Miché a assisté à une réunion qu'a faite dans le ciel là. L'Éternel gonda galibral fait sous la fal fait sous la terre, il réné une réunion avec les trônes. Il relé une réunion avec l'équipe li et puis il chita sous trône et puis il relé yo. Et puis la Bible dit il chita garde verset 20. Et puis l'Éternel dit garde en nous lit ensemble. Il dit qui ça? Et l'Éternel dit en nous lit ensemble. Qui, ça veut dire l'Éternel commence la réunion. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse?
Et puis regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, et il répondit. Ça veut dire, moun qui était sous table là, moun qui dans réunion. Est-ce que là suit bien là, hein? L'Éternel pose une question et il l'Éternel pose une question et il répond. Et il répondit, regardez ce qui ça dit. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Ah, suivant bien oui là. Ça veut dire ça son réunion qu'a fait. L'Éternel dit qui séduira Akab et puis gon valet ange qui là, gien qui va, gien monsieur ba opinion, l'autre là ba opinion, l'autre là ba opinion, l'autre là ba opinion. Ça veut dire n'a regardé ça ne relé yon full blown meeting. L'Éternel a fait une décision, mais là où gardons full blown meeting et l'Éternel baille tout le monde chance pour yo parler et chaque monde a baille opinion yo. Comment Akab va descendre? Ça veut dire, dans le ciel là, ce n'est pas toute décision que Dieu fait de manière unilatérale. Que décision le fait, il fait dans le grand monde, il finit. Mais que décision le bras le fait, il gagne des anges. Il gagne des anges, la Bible dit, il fait partie de l'armée des cieux. Ces anges qui font partie de l'armée des cieux, ils réunissent ensemble. Et puis il pose des questions et différents on a posé des questions et leur fin l'histoire là ou après il y a un ange qui paraît lui dit moi même m'a séduit Akab moi même m'a fait Akab tomber comment on va le faire lui dit m'a séduit et puis m'a tourner un esprit de mensonge dans la bouche d'Akab maintenant ça c'est tout en l'autre question liée ou commander mais comment l'Éternel va le permettre un esprit de mensonge la Bible dit comme ça avec celui qui est pur il agit avec pureté mais la Bible dit avec celui qui est pervers il agit avec perversité il agit avec perversité. Ça veut dire, leur coin d'un mensonge, eh bien, c'est le conseil à périr tout. Mais ça qui est important, c'est qu'on regarde là, l'Éternel a d'autres êtres célestes qui sont dans le ciel là. Et puis, le relais. Maintenant, groupe de personnes ça que l'Éternel réunit avec lui, qu'on appelle les trônes, ou qu'on lui a l'autre nom pour lui, il y aurait le conseil de l'Éternel. Même Jean, par exemple, aux États-Unis, qui est le Conseil de la Sécurité Nationale. Conseil à qui ça lié, sont ces deux groupes moun qui réunit avec président, ou bien qui réunit avec chef d'État, ou bien qui réunit avec roi. Donc, il y aurait le Conseil, il y a quelquefois, il y aurait le Conseil de la Sécurité aux États-Unis, ou bien Conseil aux Nations Unies, comment il y a encore, hein? Security Council, aux Nations Unies, il y a le Conseil de Sécurité. En Haïti, où gagne conseil des ministres, le président va faire décision, la Bible dit comme ça, il réunit, il fait décision ça, en conseil des ministres. Quand il chita avec tout conseil, yo, même j'en vois les hommes qui conseillent sous la terre, l'Éternel qui conseille dans le ciel. Et moun qui invite, être céleste, qui fait partie du conseil de l'Éternel, même j'en vois chef d'État, qui conseille de ministres. Il y a quelques décisions là, fait avec conseil des ministres là. C'est comme ça l'Éternel, il y a des décisions là, il a fait, il a rencontré avec conseil et il y a des anges qui font partie de l'armée des cieux qui chita dans le conseil là. Et ces anges, c'est eux-mêmes qui ont les trônes. C'est eux-mêmes qui ont le trône autour du trône de l'Éternel. Ils ont formé le conseil de Jéhovah. Maintenant, je vais terminer avec ça. Une bonne nouvelle pour vous. Nous songeons une fois que nous avons prêché sur la communion du Saint-Esprit. Moi, je te dis comme ça, conseil ça. C'est de conseil ça que Jérémie t'a parlé. Jérémie t'a parlé. Lorsque Jérémie te dit comme ça, jugement va tomber sur Israël. Jugement va tomber sur Israël. Et puis, grand paquet de prophètes qui a dit Jérémie, c'est pas vrai. Pas de jugement qui va tomber vrai sur Israël, etc. Et puis, Jérémie pose une question. Dans Jérémie chapitre. Pas moi, si je n'ai là, dans Jérémie chapitre 23, le verset 18, Jérémie pose une question. Il dit, moi, dis-nous, jugement va venir, nous-mêmes, nous dit jugement par venir. Et puis, Jérémie pose une question, ça. Il dit, qui a assisté? Aïe, 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 suivez avec moi, pas la même. Il dit, qui a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter et voir la parole de l'Éternel? Et pour prêter l'oreille à la parole et qui l'a entendu.
entendu. En d'autres termes, Jérémie dit, monsieur, là, n'a plus de parler. Mais là, l'Éternel, dans le ciel, même Jean t'ai fait réunion pour te jeter à table. Là, l'Éternel t'ai fait réunion. Et puis, il dit, le bras lagué, eh bien, jugement sous Israël, t'es bon réunion que t'es fait dans le ciel là. Les trônes t'es réunis, le conseil céleste t'es réuni, et t'es gagné un décret qui te baille. Là, t'es baille là. Qui est-ce dans nous qui t'es là? Nous-mêmes, nous partons, mais moi-même, t'es là. Nous-mêmes nous partons là. Nous-mêmes, ça que fait m'gédoua pour m'vindou ça, c'est parce que là, l'Éternel, il te réunit conseil céleste là. Là, il te réunit les trônes. Là, il te réunit les 24 vieillards. Et puis, il t'a discuté ça qui a passé sous la terre. Et il te prend une décision. Moi-même, le prophète Jérémie, moi, t'ai invité dans la réunion. Moi, t'ai invité dans le conseil des ministres là. Moi, t'ai invité dans la salle là. Ça veut dire qu'on dimension qui vient dans bon Dieu. Là, il a fait réunion dans le ciel là. Libre carte d'invitation. Ouais, dit que réunion qu'a fait dans ciel là, que réunion qu'a fait dans ciel là, où joignons cap d'invitation pendant à dormir il lever, pendant la prière monter avec, pendant dans le jeûne il monter avec, pendant à chercher présence il monter avec. Il dit qu'on bagarre m'a discuté dans famille, qu'on bagarre m'a discuté dans famille, m'a pris opinion tout le monde, même ta remettre des opinions pas, parce que opinion pas va joindre wall, qu'on bagarre moi va le faire en Haïti. Mais invitons dans la réunion, moi invitons dans le conseil, moi invitons dans la débilation. Même Jabram, tu as le droit de parler dans le dossier Sodome et Gomorra. Moi j'ai le droit pour parler dans le dossier pays. Moi j'ai le droit pour parler dans le dossier famille. Moi j'ai le droit pour parler dans le dossier HP. Moi j'ai le droit pour parler dans le dossier l'église. Parce que moi invité. M'invité. Invité. Une dimension de timidité arrive dans mon Dieu. Quand on joue une invitation, on dit une dimension de timidité arrive. Les trônes sont réunis. Une dimension de grâce. Les trônes sont réunis dans le ciel là. Les trônes sont réunis ou invités. C'est ça que fait dire si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. C'est ça que fait dire ne sais-tu pas que vous jugerez les anges. Bonjour, moi-même, avant, nous avons une chita sous trône, nous. Et puis nous avons jugé Baka. C'est pas l'Éternel qui va juger Satan. C'est pas l'Éternel qui va juger Ezuli. C'est pas l'Éternel qui va juger Agoué. C'est pas l'Éternel qui va juger Esprit Guédé. C'est moi-même avant qui va chita sous notre âge. C'est moi-même avant qui va chita sous trône, nous. Et puis nous allons relayer Agoué. Et vine devant pour nous capables prononcer sentence. C'est moi-même avoir cap condamné à Goué. C'est moi-même avoir cap condamné Dabala. C'est moi-même avoir cap condamné Loi Guédé. C'est moi-même avoir cap condamné Loi Nanlo. Parce que lorsque vous souffrez à l'Éternel, vous régnez. Rabakata Bashabaya Takaya. Moi fin prier, moi fin prêcher. Commencez à marcher, m'a demandé. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, va m'intimiter ça, non, papa. Seigneur, va m'intimiter ça. Va m'intimiter ça. Va m'intimiter ça. Dans la réunion qu'a fait dans le ciel, là. Femme là. Femme là. M'a qu'à faire l'évangile à moitié. M'a qu'à faire l'évangile à moitié. M'a qu'à faire l'évangile pour. Aïe, 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 bouillon fret. M'a qu'à faire l'évangile chaudé. M'a qu'à faire l'évangile moitié chaud, moitié fret. Que trois privilèges dans l'évangile. Que trois grâces dans l'évangile. Pour me rater privilège ça yo, pour yon boyfriend, pour me rater privilège ça yo, parce que m'pas ka contrôler ça mon Dieu ba moi, pour me rater privilège ça yo, pour yon caille, pour yon machine, par la clétenelle, 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 par la clétenelle. Parle avec l'Éternel, parle avec l'Éternel. Non, dans la réunion aux femmes là. 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 Dans la réunion qui a fait lancer la femme là. Aïe, 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 aïe. Je passe tout le temps à prier pour un paquet de bagailles qui m'a donné réponse. Parce que je vais prier selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel, en pile dans nous gaspiller temps dans la prière, parce que ça va prier sous l'IA. L'idée quand tu as décidé dans le ciel depuis longtemps de cela, ça qu'il faut prier, Kounia, c'est parce que les décisions t'as faites ou pas là, ou pas là, ou pas là.
ou pas là, ou t'es absent, ou t'es absent, ou t'es absent. Moi déclaré, prochaine fois, le ciel a fait une décision sous famille ou pas absent. Prochaine fois, la font décision sous famille ou pas absent. Prochaine fois, la font décision sous la vie ou pas absent. Prochaine fois, la font décision sous pays ou pas absent. Prochaine fois, la font décision sous zone ou pas absent. Prochaine fois, la font décision dans travail là. Rabakataba shakatabaye. Rabababa katabaya badabaya. Rabababa katabaya. Rebashikata babaye kata. Rabababa kitabaya tabaya. Continuez à prier au nom de Jésus. 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 Femme reliée avec lui. 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 Lors il vient dans la dimension royaume. Ça veut dire les bons diables font décision. L'invitons à la réunion. L'invitons à la réunion. L'invitons à la conférence. L'invitons à la meeting. L'invitons à la balaye. L'invitons à la décision. L'invitons à la sagatia. Amouez. Get trop grâce dans l'évangile. Pour m'a gaspiller tant moi. Get trop grâce dans l'évangile. Pour m'a gaspiller énergie moi. Get trop grâce dans l'évangile. Pour m'a quitter la chair. Priez dans cala, marchez dans tout cala, marchez dans tout cala, marchez dans tout cala, priez, 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 suspend priez pour caille, suspend priez pour caille, suspend priez pour machine. M'a demandé pour entrer dans la dimension d'intimité ça. Abraham d'entrer là, m'a demandé pour entrer. Abraham de arrivé là, m'a demandé pour arriver là, m'a demandé pour arriver là. Jérémie t'arrivé là, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé pour arriver là. Michel t'arrivé là, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé pour arriver là. Isaïe t'es arrivé là, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé pour arriver là. Jean, Jean, l'apôtre Jean t'es arrivé là, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé pour arriver là. Daniel, Daniel, Daniel t'es arrivé là, l'itenasala m'a demandé pour arriver là, m'a demandé pour arriver là, m'a demandé pour arriver là. Isaïe t'es arrivé là, t'es arrivé là, c'est ça que Dieu dit, l'année de la mort du roi Ozias. Isaïe t'es arrivé là, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé pour arriver là, m'a demandé pour arriver là. Nan moun wap choisi yo, c'est pour la dalle. Nan moun wap évite yo, c'est pour la dalle. Nan moun wap bay kat d'évitation yo, c'est pour la dalle. Nan moun wap voye text ba yo, c'est pour la dalle. La dalle, la dalle, la dalle, la dalle. Oh! Jésus est moi. Marchez dans tout cas là, marchez dans tout cas là, marchez dans tout cas là, marchez dans tout campus là. Mandez bon Dieu, mandez bon Dieu. La prochaine fois, on va faire une réunion. La prochaine fois, le conseil des ministres a rencontré dans le ciel là, comme là, parole qui a parlé dans le ciel là, décision qui a fait dans le conseil céleste là, les trônes réunis. Femme là, femme là, femme là, femme là. Femme là, moi fais trois mois à prier pour bagaille qui va dans volonté mon Dieu. En pile fois, n'a gaspillé temps, n'a prié pour bagaille qui déjà décidé déjà. Li déjà décidé déjà. Problème, c'est qu'on t'a raté. Réunion, femme là. Marchez prier, marchez prier, marchez prier. Si Jérémie t'est arrivé là, m'est arrivé là. Si Abraham t'est arrivé là, m'est arrivé là. Si Jacob t'est arrivé là, m'est arrivé là. Si l'apôtre Paul t'est arrivé là, m'est arrivé là. Si l'apôtre Jean t'est arrivé là, m'est arrivé là. Si Michel t'est arrivé là, m'est arrivé là. Si Jérémie t'est arrivé là, m'est arrivé là. Femme rivée, femme rivée là, femme rivée là, femme rivée là. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, sanctifiez. Pour me river dans la dimension ça, Seigneur, sanctifiez-moi, sanctifiez-moi, sanctifiez-moi. Pour me river dans la dimension ça, Seigneur, sanctifiez-moi. Pour me river dans la dimension ça, Seigneur, fais-moi dédicacer à vous-même. Pour me river dans la dimension ça, nous avons un privilège. L'on va discuter les grands dossiers de la terre. L'on va discuter les grands dossiers de la terre. L'on va discuter les grands dossiers de la famille. L'on va discuter les grands dossiers de mon église. M'daremé là. M'daremé là.
Seigneur, Manéo. Seigneur, m'a prié pour l'autre monde. M'a prié pour moi-même. M'a prié pour Pasteur Greg. Seigneur, l'on a discuté les grands dossiers de l'évangile. Femme-la. Seigneur, l'on a discuté les grands dossiers du tabernacle. Femme-la. Seigneur, l'on a discuté les grands dossiers de Shekinah. Femme-la. Seigneur, l'on a discuté les grands dossiers de la famille Toussaint. Femme-la. 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 Seigneur, l'on a discuté les grands dossiers de Miami. Femme-la. L'on a discuté les grands dossiers de l'évangile sur la terre. Femme-la. L'on a discuté les grands dossiers du pays d'Haïti. Femme-la. Rabaye de Bosha Tagadabaya. Namamama Karabaye de Bosha. Rabarabaka Tabaya Dabayo. Rabababaki Namasheta Bayada. Rabaki Shedebo Tabaya. Rabababababai. Rabababababaya. Roboposha Tabaya. Yabababaka Tabaya. Niseke de Bosha. Mane bonje, mane bonje. Dimension d'intimité, ça va bien. Dimension d'amitié, ça va bien. Dimension de connexion, ça va bien. Dimension de contact, ça va bien. Amway! Jésus fait bien. Jésus fait me prêt. Jésus invite moi. Où t'es l'apôtre Paul? Au troisième ciel. Où t'es invité? Dans la réunion. Qu'on t'a fait dans le ciel là. Où t'es invité? Invité. Alléluia. Prie. Prie. Parabelle, parabelle, parabelle. 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 Yes. Aïe, 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 parabelle, parabelle, parabelle. Parabelle, parabelle, femme là. Femme là. Il y a trois décisions faites derrière d'homme. Il y a trois décisions faites derrière d'homme. Il y a trois décisions moins ratées. 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 Yeah. Yes. 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 Come la, come la. Come la, come la, come la. Come la, come la, come la. Comme là, comme là, comme là, comme là, comme là, comme là. Il y a trop de grâce dans l'évangile. Il y a trop de bénédiction dans l'évangile. Il y a trop de privilèges dans l'évangile. Pour m'abgaspiller tant. Pour m'abgaspiller tant.